Hallelujah. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour toute sa grâce, son amour et sa paix. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Il nous a dit au travers de Jésus que sans lui on ne peut rien faire. Nous dépendons entièrement de notre Créateur. Sans lui, rien. Qu'il soit béni ce soir. Nous le bénissons également pour la vie du directeur de cette chaîne. Que le Seigneur le soutienne. Qu'il le bénisse. Et qu'il lui donne tous les moyens nécessaires pour l'accroissement du ministère. Le Seigneur bénisse également ses collaborateurs pour toutes les œuvres qu'ils sont en train d'abattre, d'accomplir. Nous voulons bénir Dieu pour la vie de tous nos partenaires. Ceux qui de près ou de loin ont compris que l'œuvre de Dieu a besoin de leur soutien. Et qui répondent à leur appel. Le Seigneur les bénisse. Et surtout que Dieu bénisse les membres de Destiny Chapel International. Qu'il les élève. Qu'il fasse prospérer leurs activités. Nous sommes de cette église. Nous sommes situés à Adapam de Gâteau. Très proche du rond du grand. Rond-point. Quand vous quittez Kota vers Adapame, à quelques 50 mètres avant les fêtes que l'on, c'est le dernier voie à droite que vous voyez. Vous y engagez et vous voyez le temple. Et vous quittez le rond-point vers TP3, bien vers Zoroba. Le premier voie à droite. Engagez-vous dedans. Il y a quelques 200 mètres de là. Elle est table à l'offre. Vous verrez l'église toujours à votre droite. Tous les dimanches. De 7h47 à 10h30. Si on nous dit Gandremiti Bla et ne vous nous adorons notre Dieu. Vous êtes invités. À venir vous joindre à nous. Pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Tous les lundis. De 17h30 à 19h30. C'est une grande séance de prière interdénominationnelle. Quel que soit ton appartenance. Si tu aimes Christ Jésus. Et si tu aimes la prière. Descends le lundi soir à partir de 17h30. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il accomplisse sa volonté dans notre vie et dans la vie de notre pays, le Togo. Et jeudi, c'est la même chose. De 17h30 à 19h30. Nous étudions la Bible. Et par la suite, nous prions également. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Comme notre, nous avons notre numéro sur le votre petit écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Alléluia. Amen. Chaque matin, chaque soir, nous faisons des prières que nous partageons par WhatsApp. Il suffit de nous écrire. Et vous recevez les prières. Le numéro de WhatsApp, c'est 90. Et WhatsApp est 90. Ou bien, bon, comme les gens sont à l'étranger, 00228. 00228 90 90 21 21 42 42 et 78. Vous contactez par WhatsApp et vous recevrez gratuitement les prières chaque matin, chaque soir. Nous avons besoin de la prière. Jésus a commencé avec la prière et il a fini avec la prière. Si nous sommes vraiment des adorateurs, nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Il faut agir par la prière. La foi sans œuvre est une foi morte. Je sais que vous aimez la prière. Vous avez bien fait. Que le Seigneur soit avec nous. Nous sommes dans l'émission L'heure de ta victoire.
C'est vraiment l'heure de ta victoire. Et ce soir, tu vas encore gagner une bataille. Le Seigneur s'est préparé pour toi. Il veut te sortir de ce gouffre. Il veut te sortir de ce trou. Il t'aime. Mais il veut que toi tu parles. Et que lui agisse. L'heure de ta victoire. Tu es né pour remporter la victoire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions. Nous avons le pouvoir de dominer les autres créatures. Et ce pouvoir nous est donné par le Seigneur lui-même. C'est l'heure de ta victoire. Tu n'as pas le droit de somnoler. Ne dorme pas, c'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de te réveiller. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? L'heure de ta victoire. Et ce soir, le thème de notre message, c'est le vrai secours vient de l'Éternel. Le vrai secours vient de l'Éternel. Vous savez, bien-aimé, vous savez, il arrive des moments où quand on a besoin de secours, on se réfère à un grand. On se réfère aux parents, par exemple, quand vous êtes enfant. Et quand quelqu'un veut vous battre, on court vers les parents. Alléluia. Amen. Parfois, on demande le secours de la part du président de la République. On cherche le secours parfois auprès du pasteur. On demande le secours parfois au chef d'entreprise, au directeur d'entreprise. Mais ce soir, le secours dont nous parlons, c'est le secours qui vient de l'Éternel des armées. Le vrai secours vient de l'Éternel des armées. Le vrai. Nous allons lire quelque chose ce soir. Dans le psaume 121, les psaumes on peut verset 1 à 3. Ce de ton lien, Mou motide toi ou nous. Afika, honame atso avanama. Nye honame atso Yehowa. Diple anigba wola bo. Manak na dele wo afote o. Nous Amen. 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 Nous allons prier. Mia dogbera. Kaletomie de akono le otroya. Ela bona weke nya no katsa la foto. Nya e yime ke to otu kola le otroya. Amen. E ya tenaka sotanya ya dere bena ya otso opo katsa men. Et on met tout pour le choya, mais Amérique dit ça, Amérique nobo, Amérique dit qu'on a mais dit tenu, et il ouvre un fournaie, et la bonne yeme gagne à fille qu'on a à son aïola, à part de le chime ya bonne au travail, qu'on a au fond pour un sonaye, et il y a tout on y a le choya, et il y a de viol, yes, super comme elle, à la bonne chicha, pourquoi qu'à guerre au chocolat, mais Amérique le monde qu'on a n'a de guerre là, à part ça, ou à n'a pas de choya. Amen. Le vrai secours vient de l'Éternel. Nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de secours. Plusieurs sources de secours. Alléluia. Amen. Mais celui dont nous avons besoin, le secours, l'aide dont nous avons besoin, c'est celle-là qui vient de l'Éternel des armées. Il s'est levé les yeux vers les montagnes. Oui, il a levé les yeux vers les montagnes. Avec l'intention qu'il recevra quelque chose de là. D'où viendra le secours? Mon secours viendra d'où? Où est-ce que je peux avoir du secours? Il a levé les yeux vers les montagnes. Parce que les montagnes sont hautes. Elles sont élevées. Parce que quelque chose peut arriver de là. Mais c'était un vain.
Les montagnes n'ont pas pu accorder de secours. Elles n'ont pas pu procurer du secours. Il a crié aux montagnes. Les montagnes n'ont pas répondu. Il a crié aux grands. Les grands n'ont pas répondu. Il a crié aux personnalités. Mais nul n'a répondu. Et il s'est tourné vers les ténèbres. Et miraculeusement, Dieu lui a répondu. Il dit, je lève les yeux vers la montagne. Tout me viendra là le secours. Mon secours vient de l'Éternel des armées. Mon secours vient de celui qui ne dort pas. Mon secours vient de celui qui ne sommeille pas. Pendant la nuit, il est toujours là pour moi. Pendant la journée, il est toujours là pour moi. Pendant la détresse, il est toujours là pour moi. Tout me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel des armées. Celui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a le pouvoir de tout faire. Lui qui connaît toutes choses. Lui qui voit toutes choses. Lui qui attend tout langage. Je comprends. Et au Seigneur, comme. Alléluia. Amen. Le secours vient de celui-là. Et Juana Metzona, lui qui donne la vie au corps mort. Amen. Metzona, banana, me lui qui ressuscite les morts. Et Yemeka Fona Kukoti. Lui qui rétablit même les ossements desséchés. Et Yemeka Nana Fufufuha Okona. Il est le seul. Et Yemeka. Il est le seul capable de toutes choses. Et Yemeka Kati on sait. Sans lui, mon frère, ma soeur, nous pourrons rien faire. Et Yemama no mala no vini utu no mieux. Nous avons erré pendant des années. On a cherché du secours partout. On est allé vers les idoles. On a fait des libations. Nous avons fait des sacrifices de tout genre. On a fait des incantations. Rien. 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 C'est l'Éternel seul qui est notre secours. Il est la vraie source du vrai secours. L'aide dont tu as besoin se trouve auprès de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Mais si Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Le secours se trouve auprès de l'Éternel. L'aide dont nous avons besoin se trouve auprès de l'Éternel. Mais la question de savoir, peut-on aller à l'Éternel sans passer par Jésus? La réponse est non. Impossible. Il dit, personne ne peut venir au Père si, elle n'est pas, si lui ou elle n'est pas passé par moi. Alors c'est là où nous avons besoin d'avoir Jésus dans notre vie. Nous devons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Tout est disponible, tout est à notre disposition. Nous mais pour l'acquérir, pour l'avoir, Jésus est la clé. Vous ne pouvez pas y accéder sans passer par Jésus. Et passer par Jésus consiste à recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur de sa vie. N'oublie pas que nous avons dit que il n'y a pas de victoire sans Jésus. Les gens pensaient avoir remporté de victoire. Et ils l'ont fait sans Jésus. Et cette victoire ne pouvait pas durer. Et toi et moi ne devons plus commettre les mêmes erreurs. Nous avons besoin de Jésus pour avoir le vrai secours. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas aller. Il est temps qu'on comprenne la vérité de Dieu. Jésus est le secours de Dieu. Jésus est la victoire de Dieu. Et Yesu la enye mokwe chidudu. Alléluia. Amen. Tout est en lui. Nous sienu le Yesu. L'Éternel Dieu a mis toutes choses en Jésus. Yehova ucho nous sienu de Yesu. Et quand vous le confessez comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et nous n'y vous Yesu ma bakwe tople de la la. Vous recevez la clé. Et que ma safle assumi assi. Il vous fait passer librement. Et yewa namye ba yifafane. C'est pourquoi ce soir. Et yantiro tu as besoin de Jésus. Nye nyana Yesu. Tu as besoin de Jésus. Nye nyana Yesu.
Dans Psaume 16, verset 8. Salomon peut agbana et taoui a dit. Pourquoi ame et nia. Psaume 16, verset 8. Agblabana. Oui. Metsoa Yehova do nku nyemeda. Ne elle nye du simela. Kema de le tenye o. Si le tenye à ta droite. Ne yme Yehova de onu du sime. Tu ne chancelleras pas. Et comment de l'éteau? Si Jésus est en toi, et bien, yes, le mot. Il intercède pour toi. Et yo, le tu ne chancelleras pas. Et comment les événements vont se passer. Et nous, adjo. Mais tu resteras tel. Et ta victoire reste assurée. Et comment, tu dois annoter. Alléluia. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nous me viendra le secours. Ça ne sera venu par l'Éternel. Et comment, yo, beaucoup, parce que l'Éternel ne sommeille pas. Et là, ben, yo, moi, il ne dort pas. Et s'il est à ta droite, tu restes inébranlable. Rien au monde ne peut te faire chanceler. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance de ta victoire. Tu ne t'inquiètes de rien. Parce que tu connais ton Dieu. Tu connais ton Créateur. Jésus est le seul qui montre le chemin. Et il est en même temps le chemin. Celui qui montre le chemin est encore le chemin. Et comment tu peux contourner une telle personne? Tu as besoin de Jésus pour atteindre le vrai secours, pour bénéficier du vrai secours. Tu as besoin de Jésus. Jésus le seul qui a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. L'Afrique a besoin de Jésus. Le Togo a besoin de Jésus. Le président de la République a besoin de Jésus. Il n'y a pas président pour toi. Il en a besoin. Ce n'est pas quand je veux, non. C'est une nécessité. D'ailleurs, une obligation. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a une autre vie après cette vie. Quand le corona est venu ces derniers temps. Et quand on parle de vaccin, les gens ont peur. Mais tu as bien fait. Tu as bien fait d'avoir peur. Mais il y a une autre peur. Quand le but sera enlevé, et que tu vas rester, ce que je ne souhaite pas, c'est là que tu comprendras ce qu'on appelle peur. Tous les commentaires qu'on fait, les hommes de Dieu, les diacres, tous les grands de l'église, à propos de cette affaire de vaccin. J'ai dit, ce ne sera pas facile. Pour éviter tout cela. Reçois Jésus ce soir. Et quand le temps d'enlèvement sera arrivé, tu seras enlevé. Et tu n'auras pas à faire avec 666. Le vrai 666, c'est après l'enlèvement. 666, bon, voilà, avant mes lèvres. Tu vas se tomber avec des vaccins. Mais la si pauvre vaccin, tant que l'église sera sur terre, 666 est inactif. Si ça soit si c'est ma team à ordre, il ne sera opérationnel qu'après l'enlèvement. Et y'a ma hâte d'or comme un mec. Tu as besoin de Jésus. Ministre, tu as besoin de Jésus. Mon général, vous avez besoin de Jésus. Mon président, vous avez besoin de Jésus. Jésus. La vie de tout et chacun. Yes. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et Jésus est la parole. Et Jésus est la vie. Quand vous n'avez pas Jésus en vous, le temps là viendra. Vous ne pouvez pas être enlevé. Et ce que vous craignez aujourd'hui, il surprendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, nous avons l'assurance. C'est pourquoi nous sommes 46. Et Salomon peut agbala tabla ne vo. 46 verset 2 à 4. Pour Salomon peut agbala tabla ne vo adin. Choku ku banto. C'est vous avez premier chez vous. Choku ku velia choi et ton lien. Oui. Ailleurs bon, dans la nouvelle version c'est à partir du premier verset mais là-bas c'est à partir du 2. Oui. Yehowa enye si to pe ple nous senami. Hona meton to wenye.
le hahaome. Yeah. E yata mi anfon owo. Ne nyebe anigba gli le enu. Eye to van le atia futitina. Ne efe to tse agbo. Eye otso. Otso futupo. Eye otso futupo. Eye to hufu le efe nyanyrame ha. Amen. Amen. Et dit c'est ce qui ne manque pas dans la détresse. C'est un verset qui m'intéresse beaucoup. Le psaume 46 m'intéresse beaucoup. Ça on voit avec ta blague. Dit c'est ce secours qui ne manque pas dans la détresse. Chaque fois que vous êtes dans la détresse, dans la souffrance. Que vous êtes dans une situation critique, quand vous criez à l'Éternel Dieu, il vous envoie Jésus. Jésus est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand il est là, vous ne chancelerez pas. Quand il est là, vous avez la paix. Il dit, même si les montagnes bougent au fond des mers, alléluia. Si les fruits de la mer mugissent, jusqu'à faire trembler les montagnes, toi tu seras inébranlable. Parce que tu es en toi, quelque chose tu ne bouges pas. Un jour Jésus montait avec ses disciples. Ils étaient dans la barque. Et Jésus dormait. Et les tempêtes se sont abattues sur la mer. Les disciples criaient. Ils passaient par tous les moyens. Pour chasser l'eau. Pour contourner le vent. Mais ils n'arrivaient pas. Dans Matthieu 8, verset 24. Et au même moment, Jésus lui dormait. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous venons de lire dans le psaume 46. Le verset 4 dit, même si ça, les flots mugissent, écument et font trembler les montagnes. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Jésus était dans la même barque. Mais il lui dormait. Parce qu'il avait l'autorité sur le pouvoir sur le flot. Il est un secours qui ne manque pas de la détresse. Alléluia. Les disciples l'ont réveillé. Et il s'est levé. Et il a ordonné au flot de se taire. Matthieu 8, 24. Aye fututio lengengem de voame que ayanto to alo. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que l'eau entre dans la barque? Allez comme est-il notre ti voame. Et tout le monde avait peur. Aye am semo no fofom. Mais quelqu'un va amereya. Lui qui a l'assurance. Aye mais que kaka de dile. Il sait qui il est. Enya ameke onye. Il dormait. Non allons-t-on. Que mes quatre s'est levé. Mais les flots ont respecté à sa voix. Quand vous avez Jésus en vous. Et qu'à un moment donné, vous parlez au nom de Jésus. Ce Jésus qui avait parlé sur la mer. Ce Jésus qui s'est levé le jour-là. Va se lever en vous. Et va s'occuper de votre affaire. Je voudrais compris ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te conduire à ta destinée. En réalité, est-ce que nous savons ce à quoi nous sommes destinés? Ce que Dieu veut que nous soyons. Parfois non. Jésus seul montre le chemin. Ce que tu seras demain, tu ne sais pas. Tu fais beaucoup de programmes, d'accord. Mais Dieu seul sait.
Mais Jésus veut te conduire dans ta destinée. Il veut t'aider. Il veut te guider. Mais il ne va pas te forcer. C'est quand tu vas te libérer à lui. C'est quand tu vas lui donner le siège à s'asseoir. C'est quand tu vas lui confier ta vie. Ta soeur qui se lève. Et il agit en ta faveur. Jésus ne force pas. Mais il ne force pas. Il nous laisse à notre conscience. Et je pense que tu as compris ce soir. Que le vrai secours vient de l'Éternel des armées. Et pour y accéder, nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi ce moment, reconnais-toi comme pécheur. Reconnais que tu as mal agi. David dit, j'étais conçu dans le péché. David, j'étais né dans le péché. Je suis pratiquant de péché. Et personne ne peut ôter ses propres péchés. Nous avons besoin de Jésus. Et ce Jésus-là, c'est de lui que je te parle ce soir. Reconnais-toi comme pécheur. Et que tu ne peux pas te sauver toi-même. Mets-toi à genoux ce soir. Demande au Seigneur de te pardonner. Parce que tu l'as cru. Que c'est à cause de toi qu'il a souffert la croix. Et tu as cru qu'il est ressuscité des morts. Et qu'il est assis à la droite du Père. Et qu'il intercède pour toi. Demande-lui de te pardonner. Et de t'accepter comme son fils, bien sa fille, de t'inscrire dans son livre de vie. Alléluia. Amen. Si tu le fais tout ceci, au nom de Jésus, tu es sauvé. C'est ton cœur. Est-ce que tu sais que Jésus est venu pour toi? C'est à cause de toi. Crois seulement. Crois. Et confesse avec ta bouche. Le Seigneur Jésus, yes. Je te reçois. Viens à moi. Dirige-moi. Sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, mon frère, tu es sauvé. Mon frère, tu es sauvé. Je vais prier un peu avec toi. Seigneur notre Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous prions ce soir pour cette soeur. Nous prions pour ce frère qui vient de te donner sa vie. Éternel, souviens-toi de lui. Papa, souviens-toi d'elle. Et soutiens-la au nom de Jésus. Aide ton fils au nom de Jésus. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie ne soit plus la même. Et que sa vie s'engage sur ton chemin. Qu'elle obéisse à ta voix. Et qu'elle se remette totalement à toi. Afin qu'au jour d'enlèvement, il soit aussi enlevé. Au nom de Jésus. Nous prions pour notre pays, le Togo. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour l'Église de Dieu. Nous demandons que tu te souviens de ton Église. C'est à cause de l'Église, Seigneur, que tu as encore le regard fixé sur la terre. C'est à cause de ton Église, Papa, que tu interviens dans nos vies. C'est à cause de ton Église, Seigneur, que tu bénisses ce monde. Les humains pensent que c'est à cause de leurs efforts. Mais nous savons que toi, Seigneur notre Dieu, c'est à cause de ton Église. Cette Église que tu veux s'attache. Cette église que tu veux laver. Cette église que tu embellis tous les jours. Nous prions pour cette église. En particulier dans notre pays. Seigneur, restaure l'église du Togo. L'onction de Dieu descend sur l'église du Togo. Il y a un vrai réveil dans l'église du Togo. Seigneur, révèle-toi à l'église du Togo. Toi, au peuple togolais, Seigneur, prouve au monde entier que tu demeures le même. Nous croyons que tu n'as pas changé. Mais eux, ils n'ont pas encore compris comme ça. Parle à leur cœur. Ceux-là qui se
sont éloignés de toi. Ils ne parlent à leur cœur. Ramène-les auprès de toi. Quand le secours se trouve auprès de toi, ils sont là pour chercher le secours ailleurs. Ils cherchent le secours un peu partout. Ils sombrent dans le péché. Ils peuvent le faire. Le secours, le vrai secours vient de toi. Apporte ton secours à ton fils. Apporte ton secours à ta fille. Seigneur, chacun de nous a besoin de toi. Le président de la République a besoin de toi. Le premier ministre a besoin de toi. Le premier ministre a besoin de toi. Tous les ministres ont besoin de toi. Les ministres ont besoin de toi. Les députés ont besoin de toi. Les seigneurs ont besoin de toi. Les maires ont besoin de toi. Les maires ont besoin de toi. Le docteur, le soldat, tout le monde a besoin de toi. Seigneur, toute la créature humaine a besoin de toi. Nous intercédons en leur faveur. Nous demandons de nous assister. Libère l'adoration au Togo. Sois honoré au Togo. Sois honoré en Afrique. Seigneur, tu connais le système de le fonctionnement de l'église dans le monde entier. Mais cette année, tu as choisi l'Afrique. Tu as choisi l'Afrique. Pour te révéler. Tu as choisi l'Afrique. Et tu as choisi le Togo. Seigneur, ne baisse pas le bras. Lève-toi et défends ton église. Défends ton peuple. Pour que toute la gloire revienne à nous. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous demandons que tu les touches. Par une simple touche. Que cette maladie disparaisse. Que cette maladie disparaisse. La souffrance à laquelle fait face tes enfants. Nous prions. Cette souffrance à laquelle ils font face. Disparaît ce soir. Pour que ton peuple te loue au nom de Jésus. Nous prions pour les femmes stériles. Tu n'as créé personne stérile. Tu as dit, allez procréer vous. Nous prions, nous demandons, Seigneur. Ces femmes qui pleurent nuit et jour. Elles font les frères et mamans. Maman, donne-leur les enfants. Enfin, que toute la gloire te revienne. Nous prions pour les chemins. Désœuvrés. Seigneur, bénis-les. Afin qu'ils aient un plan au nom de Jésus. Les enfants ont encore commencé les études. Ont repris les chemins de l'école. Nous prions pour eux. Pour que tu les couvres de ton sang. Aucun malheur ne les atteigne. Mets la puissance du coronavirus. Rétablis ton autorité. Pour que le monde entier sache. Sans toi.